Conillon, qui revient à la maison en 2021. Conillon, déjà pour ceux qui ne le connaissent pas, présente-nous le cheval de course que c'était. Donc il a couru en Allemagne, il a gagné une préparatoire au derby allemand et après il s'est placé second de ce même derby derrière Schiaparelli, qui était un crack. Et donc c'était un vrai cheval de tenue et il rapporte de la tenue à ses produits. Ces produits, on a connu Dormelomo qui a été gagnant de nombreuses courses chez Pony Colts, mais pour ce qui est de ces générations françaises, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bah effectivement, il a eu un produit qui a couru et qui a plutôt bien couru, qui a gagné 11 courses en Grande-Bretagne en obstacle et en plat, et il s'est placé second de groupe. Et après, pendant quelques années, il n'a pas fait la monte, et depuis qu'il est revenu en France, il a saillie une bonne jumenterie. Donc c'est des poulains qui viennent de prendre 3 ans, qui sont à l'entraînement. Les entraîneurs sont assez contents. Moi, j'en ai quelques-uns aussi. C'est des chevaux qui sont très sauteurs, assez durs à l'effort et sûrement pas précoces, mais des chevaux qui devraient bien vieillir et qui devraient bien faire un obstacle. Et on le voit aussi justement, il sait apparemment transmettre ses qualités physiques, il en a beaucoup de ce qu'on peut voir. Oui, c'est vraiment un cheval moi que je trouve impressionnant. Il a une super ligne de dos, beaucoup d'arrière-main, une belle épaule. Il est bien droit dans ses aplombs. C'est vraiment un beau cheval. The astrological soul train getting down.